I found myself divorced and out there looking for love in all the wrong places. Fucking this one and that one and that one and that one and this one and that one. And my body count going up and my value going down. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez votre première fois, n'hésitez pas à t'abonner. Tu connais déjà les gars, on est obligé de chialer maintenant pour que les gens s'abonnent. Même petit j'aime, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Donc il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine. C'est complètement gratuit, avant de créer arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est de rejoindre ma communauté Zion. Ok, Zion, pour faire partie des 10%. C'est ça l'idée les gars, 10 à 1% même j'ai envie de te dire, ok? Parce que rappelle-toi que c'est 10 à 20% des hommes qui raflent tout. Ah bon, les gars, voilà. Donc du coup, j'ai tout rassemblé dedans, il y a Pirate Marketing dedans, il y a tout. Enfin, jette un coup d'œil, tu verras dessus. Après, si tu veux utiliser ton CPF, tu as toujours Pirate Marketing, c'est toujours accessible. Il n'y a pas de souci pour ça. Bref, tu cliques dans la description et tu t'organises, ok? Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique. J'ai grandi dans le quartier des pyramides, donc arrête de chialer si tu fais rien. Il va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo. Petite vidéo les gars, réaction comme tu les aimes et comme tu apprécies tant. Une situation commune que fait face beaucoup de femmes modernes de nos jours et qui en plus veulent faire comme si c'était de la faute des hommes. Hein, évidemment, c'est toujours de notre faute. Donc elle a divorcé de son mari et son histoire, c'est une histoire qui est vraiment commune. Ok, je t'en dirai plus juste après. Mais elle explique pourquoi elle a divorcé de son mari, qu'est-ce qui s'est passé exactement, etc. Donc regarde ça et on en rediscute. Divorce my husband. Why did I divorce my husband? I divorced my husband because I was making a certain amount of money. I divorced my husband because I thought I didn't need him anymore. I divorced my husband because I had this senior position at work and thought I held the same position at home. I divorced my husband because I thought I was better than him because I had my degree now. I divorced my husband because I thought a successful marriage meant I was here and he was down here. That is not success. That's fucking sickness. I found myself divorced and out there looking for love in all the wrong places. Fucking this one and that one and that one and that one and this one and that one. And my body count going up and my value going down. I'm just gonna call it like a T.I. is. All the while, my husband done found somebody else building a relationship and building a life with them. I should have stayed married to my husband. I felt like I was on this dark road with no street lights, pitch dark, and I couldn't find my way and didn't know which way to go. I felt lost. I felt like I was walking barefoot on that dark road with pebbles and hot rocks sticking my foot. I felt hurt. I felt alone because every time he and that one and this one and that one left my bed, I was alone all by myself. And which was supposed to be soft and comfortable for me, my pillow, it was now filled with tears. I should not have left my husband. Donc voilà, triste réalité de beaucoup de femmes modernes qui ne considèrent plus les hommes. Parce qu'on leur a tellement dit, le féministe leur a tellement dit, t'as plus besoin d'hommes parce que t'as des études maintenant, tu gagnes de l'argent, etc. Donc elle voit toujours l'homme en dessous, on n'a pas besoin des hommes, etc. Parce que sachez les gars, chaque fois qu'une femme, alors qu'il y en a quand même beaucoup, hein, quand même 80%, à 90%, 80 à 90% des femmes demandent le divorce, ok, elles pensent à peu près toutes de la même manière. Si jamais elles demandent le divorce, c'est parce qu'elles se disent, au fond d'elles-mêmes, je peux trouver mieux. Ah, je peux faire mieux. Alors pourquoi elle pense ça? Bah, tout simplement à cause de ce que j'appelle le piège du marché du célibat. Je ne sais même pas comment je pourrais appeler ça. Le piège de la désillusion. On n'en sait rien. Ok, c'est un nouveau mot. Ok, elles confondent les demandes des hommes qui sont uniquement pour avoir du sexe et les demandes des hommes qui ont réellement envie de vouloir se poser avec elles. Ok, donc c'est et comme voilà, maintenant avec tu te connais avec Instagram, etc. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos avec Instagram. Bon bah tu sais que y a pas qu'Instagram, les applications, tout. Les femmes ont énormément d'attention aujourd'hui. Donc comme elles ont beaucoup d'attention, leur ego il est gonflé, tu vois. Donc du coup elles se pensent au-dessus de ce qu'elles sont vraiment. C'est pour ça que quand une femme en général tu dis de se noter, elle va toujours se surévaluer, tu vois. Peut-être c'est un 5, elle va dire je suis un 11. Ça, c'est réel, ça, les gars. Alors qu'un homme, il aura plus tendance à se dévaluer en général. Ok, c'est différent. Et pourquoi elles pensent ça? Parce qu'elles ont tellement l'attention qu'elles se disent, bah,
Si y a autant d'hommes qui viennent me courtiser, qui viennent me parler, c'est que vraiment, je suis vraiment une bonasse. Ok? Après, quand tu leur dis, ouais, mais à ce moment, si toi, t'as un 11, je sais pas moi, Shakira, c'est combien? Je sais pas moi, la femme que tu kiffes, c'est combien? Ah ouais, mais elle, c'est pas pareil, elle, c'est 19. On avait dit là-bas, c'était de 0 à 10. Voilà, bref. Donc, tout ce qu'elle a dit dans l'intro, dans la première partie, parce qu'il y a deux parties sur lesquelles je veux réagir. La première partie, c'est en gros, elle considérait plus son homme parce qu'elle pensait qu'elle était meilleure que lui. Et ça, c'est tout simplement la croyance populaire du féminisme. Hein. C'est ce qu'elles essayent c'est même pas qu'elles essayent, elles ont déjà établi dans la plupart de la tête des femmes. Elles n'ont pas besoin d'hommes parce qu'elles ont déjà, elles sont déjà graduées, donc c'est avoir leur diplôme. En gros, elles sont autonomes. En gros, voilà, comme maintenant je gagne mon propre argent, j'ai plus besoin d'hommes. Ce qui est une réelle erreur. Et que tu vas payer cash si jamais tu es une femme et que tu penses ça. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, peut-être que les hommes ils vont être frustrés sur leurs premières années, genre peut-être 20 à 35, un truc comme ça. Après, les gars, sur le long terme, les gars sont gagnants. Dans tout ce bordel, excuse-moi d'être un peu vulgaire, dans tout ce bordel de marché du dating, au final, les hommes ils vont toujours être gagnants. Et ça, c'est une réalité. Alors que le courant féministe leur fait croire autre chose. Non, tu peux faire ce que tu veux, tu peux partir, t'es indépendante maintenant, tu peux aller sur le marché du dating, ça va bien se passer, tu vas trouver un autre gars, etc. C'est juste pas une réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'homme, souvent, il pense qu'il va pas réussir à trouver une autre femme derrière. C'est incroyable. Alors qu'en vérité, si, il aura, parce que déjà, il a pris de l'âge, l'expérience, etc. Donc, il attire plus de femmes, il a accès à plus de femmes, il a accès aux femmes. Si jamais il a 35 ans, 40, il a accès aux femmes de la trentaine, il a accès aussi aux femmes de la vingtaine. Donc, ça fait beaucoup plus de choix. Contrairement à une femme, si jamais elle a déjà 30, 35, elle a accès aux hommes qui sont plus âgés. Mais les hommes qui sont plus âgés, ils sont intéressés par les femmes de 23 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est la vie, en fait. Donc, forcément, elle se retrouve en compétition avec des femmes de la vingtaine. Donc, si t'as 35 ans, que t'es une femme, que t'es en concurrence avec les femmes de la vingtaine, t'as vraiment intérêt à avoir tout ce qu'il faut. Je sais pas, faut que tu sois super féminine, soit la femme rêvée pour un homme. Parce que là, t'es en compétition avec la jeunesse. Mais on leur a fait croire à ces femmes modernes, non, t'inquiète pas, fais ce que tu veux. T'as même pas besoin de déjà vouloir plaire aux hommes, t'as pas besoin de vouloir être féminine. Qui il est, t'as pas besoin de lui, t'es indépendante, etc. Donc, tu imagines, elle arrive à 35 ans, elle est ni féminine, elle est masculine, elle pense que je sais pas pour elle, hein, j'en sais rien, mais d'une manière générale, tu imagines certaines femmes, elles se retrouvent dans cette situation-là. Elles disent, je suis meilleur que mon homme, j'ai pas besoin d'homme, il n'est pas assez bon, lui il est ici, et moi je suis ici, je vais chercher un autre homme, je veux un truc de ma catégorie. Ok, donc elle arrive sur le marché célibat, elle est ni féminine, elle sait pas comment parler à un homme, elle sait pas comment prendre soin de son homme, et elle est en concurrence en plus avec des femmes de la vingtaine. Et puis en plus avec tout le lot de trauma qu'elle a de ses relations précédentes. Tu imagines une femme comme ça, elle arrive sur le marché du célibat. C'est le cas de la plupart des femmes. le plus mauvais move pour une femme, pour moi, c'est de divorcer quand elle a la trentaine. Enfin, c'est que je comprendrais jamais. Réfléchis bien. Hein? Après, je t'ai pas dit de rester si jamais on traite de te tuer. Il y a toujours une femme qui va mettre ça. Ouais, mais là, et toutes les femmes qui se font tuer. C'est pas la raison principale pour laquelle les femmes partent. La raison principale pour laquelle les femmes partent, c'est ce qu'elle vient de dire. Et tu peux le vérifier sur Google. Et deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, ce dont elle a parlé, c'est l'univers sombre du marché du dating. Pour les femmes et aussi pour les hommes, c'est aussi frustrant, mais là pour le coup on parle du marché du célibat pour les femmes. Le marché du célibat est sombre pour les femmes, ok? Je ne sais pas pourquoi elles ont cette désillusion de croire que genre ça va déchirer, je vais vivre ma best life. Non, ça déchire, oui, dans ta vingtaine. Et encore, ça se discute. En tout cas, il y aura moins de répercussions. Si jamais tu fais genre, tu vis ta best life, on va dire dans ta vingtaine, 22, 23, 24, 25, 26, hop, tu commences à arrêter, tu cherches un gars. Déjà, tu vas voir que tu galères quand même, parce que c'est quand même compliqué. Si jamais, surtout si tu es au courant de qui tu étais avant, etc., ton passé, que tu n'étais pas machin, déjà, ça va être chaud. Déjà. Donc en fait, c'est jamais vraiment bon de vivre sa best life. En gros, vivre sa best life, c'est une façon de dire, oui, la puterie, en fait, hein, faire la puterie, quoi. Avoir différents gars, aller dans les yachts, machin, se faire inviter dans tous les sens, avoir différentes dettes, différents gars, coucher avec différents gars, voilà. En vérité, c'est jamais bon, en fait, pour une femme de faire ça. Donc, mettons pareil, féministe aussi, mais non, ça déchire. Vis ta best life, personne ne doit te juger, fais ce que tu veux, mais c'est pas juste la réalité. Hein?
Un homme, oui, fait attention à savoir si jamais sa femme n'a pas fait trop de puterie quand même avant, tu vois. C'est quand même censé être la mère de nos enfants quand même, dans le futur. Donc on essaie quand même de... On sait jamais, quoi. Hein? Donc pour revenir sur le marché du dating très sombre, elle a décrit exactement ce qui se passe. Ça veut dire qu'en gros, elle arrive sur le marché du dating, bah, elle va coucher avec différents gars. Alors c'est même pas qu'elle veut coucher avec différents gars. Okay. C'est juste que bah, les gars, ils vont lui mentir, tout simplement. Ils vont... c'est pas calmez-vous là. C'est la vérité. En fait, c'est même pas qu'ils vont lui mentir. C'est qu'à la limite, ils vont peut-être venir, ils vont voir que ça correspond pas à ce qu'ils veulent, et après, ils vont repartir. Bah, après, elle se retrouve avec un bodyguard en plus. Voilà. Donc du coup, elle continue à prendre de l'âge. Donc comme elle a si bien dit, son bodyguard, il augmente. Et sa valeur, elle descend parce que sous le marché du célibat, je précise, pas en tant que personne, et parce qu'elle prend de l'âge, et en plus, elle prend des body count, plus des traumas, etc. Parce que quand tu rencontres une meuf comme ça, t'as le nombre de traumas, déjà, tu fais galérer, elle est relou, enfin... Elle veut dire, ah, tu me feras pas comme lui, l'autre, il m'a fait, ou comme, Gérald, il m'avait fait, ou comme... Non. T'as même pas envie de deal avec ça, tu suis... Tchac. Non. Et la troisième partie, c'est le truc que j'ai l'habitude de vous dire, les gars, sur le long terme, les gars, vous serez toujours gagnant. Arrêtez d'être dans ce scarcity mindset comme si vous étiez des meufs. Vous n'êtes pas des meufs, les gars. Vous n'avez rien de pressé à vous mettre en couple long terme dans votre vingtaine. Tu ne connais rien encore de la vie, tu ne connais même pas encore les femmes, tu n'as aucune expérience, tu n'es même pas à ton pic. Après, si tu trouves la femme, après, ça ne veut pas dire, les gars, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que si jamais tu trouves la femme de ta vie, que tu te maries avec elle, tu veux avoir des enfants, etc. Ok, il n'y a pas de problème pour ça. Si jamais tu es sûr, c'est bon. Mais si tu te mets parce que tu as peur de ne pas trouver mieux ou que tu as peur de rester en galère ou tu as peur de rester tout seul, non, les gars, restez célibataire, travaille sur toi et après, tu auras les options pour choisir réellement la femme que tu veux avoir. Et pas forcément que physique, mais que ce soit aussi mental. Après, si tu n'as pas la force de vouloir travailler sur toi pour avoir plus d'options, ça sera ton problème. C'est à la limite, ok, ben vas-y, prends la première qui passe. Okay. C'est la même chose pour faire de l'argent. Les gars, ils veulent faire de l'argent tout de suite. Non, il y a une période, les gars, où pendant 5 ans, il va falloir bosser. Mais qu'est-ce que 5 ans pour pouvoir après avoir une meilleure life, en fait? Avoir plus d'options que pas forcément en termes de sur le marché du dating, mais que ce soit en termes de où tu veux vivre, en termes de ce que tu veux manger, en termes de la voiture que tu veux, de la maison que tu voudrais avoir. À un moment donné, les gars, il va falloir faire le job. Okay, on parle de tout ça de toute façon dans Zion. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le gars, bah, il s'est remis avec une autre meuf. Et ça, je suis sûr que si jamais tu as un certain âge, tu as déjà entendu parler de ça, tu as déjà vu ça. Les gars, après, ils se remettent avec une autre meuf, après, les gars. Ça pose aucun problème. Les gars, ils se remettent toujours avec une... Ils se reposent toujours avec une autre meuf. Alors que moi, je connais trop d'histoires où les meufs, elles ont divorcé à 30 ans, à 50 ans, elles sont encore toutes seules, gars. Elles galèrent. Alors, elles ont eu comme ça des moments épisodiques avec un gars, mais... Rien de concret. Ah, il y en a plein qui galèrent, gars. Ça qu'on divorce dans la trentaine, là, c'est... Ah, on te montre certaines qui ont réussi. Ah oui, on regarde la recette à se remettre avec quelqu'un. Mais d'une manière générale, le marché du dating, c'est dur. Ça me rappelle un entretien que Kevin Samuel il avait eu avec une meuf qui lui avait dit, ouais, en gros, elle a des copines. Elle a son mari, ça se passe super bien. Tu vois, ça se passe super bien. Voilà, elle est contente, elle a ses enfants, etc. Mais elle dit, ouais, mais il y a ce petit manque que j'ai lié, en fait, à ses copines qui lui racontent toutes leurs histoires de puterie, en fait. Hein. Et ses copines, elle dit, ouais, ça déchire, on sort là, oh, j'étais avec Brian hier, oh là là, on a un truc de ouf, on a fait des trucs de malade, oh là là, machin, oh, l'autre jour, j'étais avec Gérard, oh là là, oh là là. Et genre, elle se sentait un petit peu envieuse. Elle disait, tiens, j'aurais bien voulu, moi aussi... des fois, je me dis, j'aimerais bien vivre cette vie-là aussi, tu vois. Que bon, parce que là, moi, je suis avec mon mari, c'est vrai que ça se passe bien, mais bon, j'ai pas connu ça, j'aurais bien voulu connaître ça. Parce que tu sais, aujourd'hui, le credo, c'est genre, vis ta best life, comme ça, t'as bien connu toute ta life, t'as bien tout connu, et après, comme ça, t'as bien fait la puterie, hein, en gros, hein, et comme ça, après, tu connais la vie et tu peux te poser avec un gars. C'est pas vrai, ok. Ça a été montré, ça a été prouvé dans une étude que plus les femmes. Elles ont couché avec deux gars, le moins elle peut soutenir une relation long terme. Voilà, c'est prouvé. Voilà, je crois qu'à partir de, je ne sais plus combien de body count là, mais ça veut dire body count, ça veut dire le nombre de gars avec qui elle a couché. Mais plus le nombre il est élevé, moins la relation est dure. Donc, ce n'est pas vrai ce truc de « ouais, j'ai besoin d'avoir de l'expérience pour pouvoir
après être tranquille et après me poser avec un gars et après genre là je serais bien, j'aurais pas envie d'aller ailleurs parce que je connais déjà la vie. Non, c'est pas vrai. Souvent sous papier ça peut paraître avoir du sens, mais ce n'est pas le cas. Et pour plusieurs raisons qui sont évidentes, bah déjà si tu ne mets pas de valeur sur ce que tu as entre les deux jambes, qu'est-ce qui t'empêche de dire bon bah, dès qu'il n'y a plus de Nutella dans le frigo, je sais que ça ne se met pas dans le frigo le Nutella. Dès qu'il n'y a plus de Nutella dans le frigo, je me barre. La meuf, ça ne la dérangera pas de coucher avec d'autres gars derrière. Parce que de toute façon, elle a déjà couché avec plein de gars, donc c'est open bar ici. Donc, voilà. Alors qu'avant, les femmes, elles mettaient de la valeur sur ce qu'elles avaient entre les deux jambes. Et quand tu connais ta valeur, bah, tu réfléchis à deux fois avant de te dire « Ah, j'ai pas envie de coucher avec un autre gars parce que ça va faire baisser ma valeur. » Bref, sur le marché du célibat notamment. Et donc, pour revenir à l'entretien que Kevin Samuel avec cette femme-là, il lui a dit « Écoute, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu veux faire ? Parce que te séparer pour ça de ton gars, ne crois pas tout ce que ces filles te disent. Je peux te dire qu'elles sont misérables et qu'elles galèrent. » Et c'est une réalité ça aussi. Parce qu'elles vont jamais te le dire, ça y est. Ah oui. Ah, nous, on vit dans... Ah, je vis ma best life ! Non, elles sont en galère, elles aimeraient bien voir ce que tu as. T'as envie de retourner sur le marché du célibat à coucher avec un gars, le lendemain il te répond pas. T'as envie d'aller galérer, trouver un gars, t'arrives pas à retrouver un autre gars derrière. Ou le gars que tu avais, t'arrives même pas à retrouver le même gars que tu avais derrière. Surtout que si elle s'est mariée jeune, ça veut dire qu'elle était à son pic, donc elle a pu faire le meilleur deal qu'elle peut avoir. Parce qu'en général, quand t'es jeune, tu fais le meilleur deal que tu as pour les femmes. T'as déjà des enfants, tu vas revenir sur le marché du célibat, ça va être compliqué. Eh ben, je suis contente pour elle parce qu'elle a compris le message. Elle a dit oui, non. Ça, là, j'ai vu sur le switch, elle a fait ah ouais, non, je suis très bien où je suis. Voilà. Et après, je pense qu'il a sauvé une vie là. Donc voilà, bref, tout ça pour te dire que voilà les conséquences de certaines croyances du féminisme et voilà ce que ça peut. Comme j'ai toujours dit, gars, le féminisme en vérité, il n'a pas forcément un réel impact sur les hommes. Enfin, si, il a un impact évidemment. Mais nous, ça nous pousse plus à devenir meilleurs. À faire partir de 20 et 10%. Ok ? T'as Zion pour rejoindre la communauté des gars qui veulent se déterminer, qui veulent tout déchirer, faire de l'argent, au moins 5 000 euros par mois, augmenter son statut, avoir du game, connaître la nature féminine, tout ça. C'est la communauté qu'il faut que tu aies si jamais tu veux être une meilleure version de toi-même et faire partie des 10 à 20%. Mais réellement, celui qui va en partir le plus de tout ce courant féministe, ce sont les femmes. Je ne vois rien de positif pour les femmes. Je te parle du féminisme 2.0, hein, pas le féminisme de « ouais, on a les mêmes droits », ça fait longtemps que c'est fait. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. S'il te plaît, mettre un « j'aime » si tu as aimé cette vidéo, un « j'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, t'as d'où en description, t'as Zeus, Funnel Tinder, t'as tout. Check, jette un coup d'œil. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, j'allais ton camp.